With international food prices soaring, the number of the world's poorest people has risen by more than 50 million. This is more than double the population of Taiwan. Most of these people live in low and middle income countries. Troubles facing the global economy highlight the urgency of international development assistance. When one thinks of Haiti, it's most likely the catastrophic earthquake in 2010 that comes to mind. Add to this a widespread outbreak of cholera, and there would seem to be every reason for despair, making it especially important that the Taiwan Technical Mission here works hand in hand with local Haitians. In Haiti, the main source of irrigation water to paddies is the Artibonite River. But due to a rapid growth in population and the overdevelopment of land, these irrigation systems have become damaged, resulting in significant decreases in yields. As early as the 1990s, Taiwan had already established an area for rice cultivation in Artibonite and was introducing pest and disease-resistant varieties of rice. Beginning in 2007, the technical mission entered a period of transition and plans to transfer extension areas under cultivation and turn to development projects that improve cultivation techniques. Based in Artibonite, Monge Rice Research Center is responsible for producing rice seed for distribution throughout Haiti. Furthermore, the center provides guidance on the introduction and selection of new varieties, conducts regional tests and trials, researches cultivation techniques, and maintains lines of purebred seed. But each year, the ODVA and China Taiwanese mission provide to farmers a certificated seed or basic seeds to help them increase the yield. This is the one help. Secondly, we try to show them, we teach them a modern and advanced techniques to help them improve their yield and or income, because we control the fungus diseases, the bacterial diseases. If we have a look in this land, probably we have some problem or probably of water control, water level, but we don't see a disease here. During the past years, the Taiwanese mission and the ODVA have a new technique to control the main diseases that can reduce the yield. In the past, whenever Haitian farmers transplanted rice seedlings, they paid little attention to the distance between seedlings and placed them too closely together, resulting in poor growth and reduced yields. Yvonne, I can finish. Après ça, on va se passer. Ou bien. Ok, d'accord. En vrai, qui ça fait ces fertilisations et des herbes? Comprendre moins et l'aime dit quelques vieux proverbes, vous comprenez moins, vous même vous pas comprendre. Donc, vous là tout simplement pour faire wisdom. Là, nous arrivons dans le nettoyage. Nous finirons puis que nous nettoyons. Ça nous fait encore. On allez, monsieur. Tout d'abord, c'est une grosse expérience pour nous. Nous nous sentons très contents et pour nous aller à Taïwan. Donc, nous pas déçus du tout. L'agriculture, c'était assez intéressant. C'est vrai.
nous pouvons mettre en application parce que peut-être nous avons beaucoup de moyens pour mettre en application, mais c'était très très intéressant, surtout dans affaires la culture du riz. Donc étant donné nous-mêmes n'a pas évolué dans nous maintenant, nous pensons au fur et à mesure, donc nous avons une chance pour nous mettre bagay ça ou que nous prenons en application. At present, some of the rice grown in Haiti is a variety called PQ4, which comes from the neighboring Dominican Republic. Thanks to their newfound skills, farmers collecting seed in Haiti's Artibonite region have seen their yields and coverage increase. Mais les n'a pas évalué prix, ça nous conduit dans chez là, nous et c'est beaucoup plus. Bien que nous pas dans le programme dans longtemps, mais dans petit temps là, nous cap voir exactement bon changement. International Development Assistance helps the poor to tackle issues associated with poverty to gradually improve their livelihoods. Oui, nous avons planté TCS, nous avons 120 sacs. Nous avons fait ça, mais nous n'avons pas planté toute terre. Si nous avons fait un petit morceau, nous avons 60. Ça a gagné plus rapidement que TCS. Bon, pour ce qui est ça, bon, nous avons planté déjà, nous avons fait un peu de durée. Nous avons dit pour plus d'argent qui peut mettre moins, vous êtes moins à l'école, très à l'aise. In Artibonite, here in the early stages of a project to promote rice production and marketing, many people are curious to know why milling is so important.平均都是很小，平均都是0.3到0.5公顷啊。在这微小的土地下，在没有一个很保证的价格支持下，我们只有从推广的工作到一个3到4吨的产量以后，进一步变成做碾米型，要让他们能够在这个稻米的这个附加价值增加，然后进一步让他们的生活能够再改善一点。这是我们现在技术团在这个阿迪波尼大家看得到的一个整个的一个发展的一个整个一个蓝图一个目标。 Once farmers' organizations have been formed, another important task is to help farmers build knowledge of finance and fund management. Et maintenant, je vais présenter comment le comité a formé. Le comité de gestion qui a géré Moulin, il y a un président, un trésorier, un secrétaire, un déconseiller, c'est-à-dire il y a 5 membres là-dedans, parmi lesquels moi-même, Marcel Vertu, moi, c'est coordonnateur. Et ceci, et nous sommes censés gagner un opérateur. Opérateur, ça, et que ce n'est pas des gens qui viennent verbal. Dans mon lien, c'est des gens que vous voyez dans la formation qui apprennent à connaître comment que pour manœuvrer mon lien et transformer du riz en bonne qualité. Et comme dit nous tout, avant même mon lien de venir, la coupe, ça, c'est la coupe qui est abandonnée. Tant que ça, c'est des cailles qui n'ont pas de gain, qui la donne. Tant que je dis, c'est pendant que je suis accepté, nous, qui viennent faire remaniement, ça, ils viennent faire. Et il y a un pile de monde qui a accès au moulin là qui vient travailler. Parce que la zone, c'est une zone qui est abandonnée. Parce que actuellement là, au cas de ciment, il y a un pile de monde qui a activé. Ça veut dire que n'était-ce pas moulin et que par exemple, il y a une activité dans la communauté. Grâce à moulin ça, nos moulins disent que nous bien coopté, nous faisons arriver dans le marché, nous faisons plus comme.
nous fait plus comme du nous vend plus de vin. Grâce à moulin à l'or, je viens dans le marché où je nous prends un vaisseau ou acheter, où je nous prends un gobelet ou acheter, où je nous prends une serviette ou acheter, où je nous drap ou acheter. First, you need to research the local market price. Then, build a supply chain with local retailers and supermarkets. Providing guidance to design smaller bags of rice also means that farmers can produce and manage their own brands. Avec Mission Taïwanais qui est de nos travail, parce que avant, bon ici à Tétou, on zone isolée parce que nous pas de gain aucun activité bon ici à. Mais qu'on y a soit paraître, faut jouer plus passer de centaines de moun bon ici à sous glace, moun cap moulin, moun qui vient acheter, nous fait tout genre de activités. Ça fait nous toujours. Nous disons grand merci avec délégation ça qui vient aujourd'hui. Ils viennent garder comment on a travaillé et notamment de tout pour continuer à aider notre travail. Parce que nous avons récolté en pile du riz, nous avons chez choix. Bon, pour être capable de marcher, pour être capable d'aider les moulins, marcher puis bientôt. L'organisation a aidé nous. Fait moi et nous marcher parce que toutes les affaires là ça nous fait 50 gourdes là l'aider nous occuper petite nous voyer petite nous l'école bah manger habiller petite nous chante déjà des premières boîtes là les sans janvier non c'est là ça bonjour mon ciel est dit comme ça.